chocolatière, j'irais. Je touche un peu à tout, mais je suis plus sucré que salé, alors tout ce qui va être gâteau. La tartiflette, parce que j'adore le fromage. Je peux pas le nier. La chemise. Je suis assez Conchita, hein, donc j'aime bien. Ça me dérange pas de faire la vaisselle. Je suis plutôt assez maniaque, donc pour moi faire du rangement, ça me va très bien. La thérapie du bonheur, je dirais bah, la plénitude, la vie simple, quoi. Le bonheur, les petites choses de la vie quotidienne, tout simplement. C'est une bonne question, ça, c'est marrant. Qu'est-ce que je ferais? Je dirais aux femmes qu'elles sont belles déjà, et je serais gentille avec les femmes, les filles, et je serais au petit soin. Je fais que des sourires, moi, je fais rarement la grimace. J'évite d'avoir trop de gris-gris, mais c'est vrai que bon, je me chauffe un peu. Les mollets, les jambes, tout ça, les genoux aussi. Petite crème chauffante un peu partout. Donc ça, et puis après, écouter de la musique, espagnole notamment. Je dirais, on la pose souvent cette question, donc je le sais. J'en ai plusieurs. C'est vrai que mes campagnes avec les équipes de France Jeunes, où j'ai vraiment des amis, j'ai vraiment construit des liens forts avec cette génération. Donc la médaille d'argent au championnat d'Europe avec cette génération 89, au championnat d'Europe. Les Jeux de la francophonie aussi, c'était une super expérience au Niger. En plus, on a gagné sportivement, donc c'était cool. Et y avait une dimension sociale. C'était la première fois que j'allais sur le continent africain, donc super enrichissant. Et les matchs contre Soubert, j'ai eu la chance de jouer contre mon idole, donc forcément, ça reste gravé. Right. Ouais, je vais pas être très original, mais les blessures, forcément. Oh, j'ai déjà volé des bonbons, ça m'est arrivé quand j'étais petite. Ouais, dévoiler des bonbons. Là, je dirais Soubert. Vraiment. J'ai joué contre elle, alors avec elle, je pense que là, ce serait le top. Caché, je montais beaucoup dans les arbres derrière le dos de mes parents. Et c'est vrai que c'était super dangereux quand j'étais petite pour manger des cerises. Donc, bon, ils m'ont grillé une seule fois, donc c'est pas vraiment caché, mais je l'ai refait et re-refait. Donc. Je pense pas à un sportif, je pense à plutôt, un dirigeant ou un politicien. Ça doit être toujours être assez drôle de voir l'autre côté de l'histoire, quoi. Je veux dire, il doit vraiment avoir une vie bon, super rythmée, mais de pouvoir prendre des décisions et tout, comme ça pour le pays, je pense que je penserais plutôt à ça. Ouais. Pas série, non, je suis pas du tout, je suis pas, pourtant je sais que c'est la mode hein, chez les sportives basketteuses, mais je suis plutôt film, donc non, pas de série. J'évite d'avoir justement de me plonger dans une série pour ne pas avoir plein d'épisodes à regarder, à enchaîner, mais pourtant on m'a influencé hein. Je sais que dans l'équipe on en a copié sur mon ordinateur, mais honnêtement je les ai toujours pas regardés. Je suis plus film, ouais. Je dirais bah oui, comment j'ai pu oublier le fer à repasser de ma maman pour mes 18 ans. Je l'ai toujours ici, là. Je l'ai toujours ici. Heureusement, celui des 19 ans, elle avait mis le paquet. Parce que là, elle a dû se rattraper, je pense. Ouais. Il m'a fait mal, celui-là. Les rêves, ça fait toujours... Bah, c'est toujours assez... Je sais pas si c'est réalisable, mais c'est vrai que j'aime beaucoup voyager. Et ça serait... de voilà, visiter tous les continents, donc pas le tour du monde, je pense que c'est un peu compliqué, mais ouais, voilà, j'aimerais bien justement pouvoir voyager un peu partout. Yeah. Bailando, depuis cet été, elle tourne dans ma tête. C'est un petit clin d'œil à Isis parce qu'on a passé nos vacances à Barcelone et c'est vrai que ouais, vivement les prochaines vacances parce que là, pour l'instant, elle tourne en repeat.